monsieur l'agent, je suis innocent. 7 heures. On peut pas dormir tranquille dans cette maison. Oh. Il y a vraiment des fois où j'aimerais que le temps s'arrête. Debout, Garfield, il est tard. Seulement si t'as prévu de faire quelque chose de ta journée. Moi, j'ai prévu de me la couler douce, donc je suis à l'heure. Alors, ça, c'est bon. Voilà ta part de lasagne, comme tous les matins. Ces lasagnes surgelées sont encore surgelées. Désolé si c'est pas assez chaud. Je crois que mon minuteur... Oh. Dans ce cas, pourquoi s'encombrer d'une vieillerie? Enfin, il y a au moins du bon café. Je suis en retard, je dois y aller. À plus. C'est super. Il manquait plus que toi, Odie, pour couronner ce petit déjeuner. Ah, mince! J'ai oublié de sortir les poubelles. Et tu t'as encore trouvé? On dirait une sorte de montre à gousset. Je l'ai dégoté dans une des poubelles qu'on a vidées ce matin. Je me disais que ça avait peut-être de la valeur. Voilà, c'est du toc, ça vaut rien, ce truc. John a toujours peur de pas avoir le temps de faire tout ce qu'il a à faire. Tu sais pourquoi je m'en fais, moi, parfois? C'est quand je suis pas tout à fait sûr d'avoir le temps de finir ma sieste du matin avant de commencer celle de l'après-midi. Alors, c'est simple, ne me dérange qu'en cas d'extrême urgence. Hein? Vous êtes quand même glacé. Tu m'as réveillé. J'espère que t'as une bonne raison. Oh ouais. Bon, t'as trouvé une vieille montre. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? À mon avis, elle marche plus. Voyons voir ce qui se passe si j'appuie ici. Si je rappuie sur le bouton. Oh, j'adore ce jeu. Enfin le silence. Est-ce que c'est drôle? Au premier abord, j'ai l'air d'un chat ordinaire, légèrement enrobé. Mais avec ça entre les pattes, je suis le maître du temps, du temps, du temps. Avec ça, John n'est pas prêt de me réveiller aux aurores demain. Ah! Et je vous assure, c'est toujours pas moi, monsieur l'agent. 7 heures. Du calme, on a tout notre temps. Il faut que je me dépêche. C'est beaucoup mieux. Je crois que je vais m'accorder encore 3 bonnes heures de sommeil. Ouais, y a rien qui presse pour le maître du temps. J'ai un petit creux. Il est temps que John me fasse à manger. Pêche de faire le petit déjeuner. Je sens qu'on va bien s'amuser. Pas vous? Et voilà, Garfield, tes céréales préférées. 1% de céréales, 99% de sucre. Un élément de base pour un repas équilibré. N'oublie pas que tu aurais... Chine, et que tu... Mmh.
n'a droit d'en manger qu'un bol. Il peut toujours causer. Je crois que cette montre magique va me rendre bien des services. Plus que quelques maisons à faire et j'aurai fini ma tournée. Je vais éviter celle qui me pose tant de soucis, tu sais. J'ai pas trop envie de marcher ce matin. Ça tombe bien. Voilà mon taxi. Non, pas celle où il y a ce gros chat orange qui mange tout le temps. C'est... Allez, faut te cocher. Pas de la rue où la propriétaire a plein de chihuahua. Intéressant, Madame Castinetti vient de se faire placer son nouveau dentier et sa sœur Colette lui a envoyé des carabines. Je suis en train d'approcher de la maison où se trouvent ces trois boules de poils surexcités. Écoute un peu ça. Moi, je dis qu'il faut faire quelque chose. Ces bestioles vont finir par me rendre fou. J'en cauchemar de la nuit. Je... Rêve qu'ils m'encerclent et qu'ils sont prêts à me dévorer tout. Ils vont enfin pouvoir faire connaissance. Colette, laissez-moi sortir au secours. Laissez-moi tranquille. Cette journée est vraiment parfaite. Salut, Yarpy. Je retire ce que j'ai dit. Il fallait évidemment que Nermal vienne tout gâcher. Alors, dis-moi, Garfield, comment tu me trouves aujourd'hui? Tu peux être franc avec moi. Super? Vraiment super? Ou vraiment super net plus ultra méga top du top? Réponse D, ne se prononce pas. Je te signale que je vais participer au plus grand concours de beauté de l'année. Je me prépare depuis des semaines et des semaines pour gagner le premier prix. Souhaite-moi bonne chance, même si c'est déjà dans la poche. Je pense qu'il est temps que tu changes de style, Nermal. Je vous l'emprunte, vous êtes d'accord? Elle a l'air d'accord. Un peu rouge là. Splendide, c'est tout toi ça. Bon, il est temps que j'aille chercher mon prix. Je dois te laisser. À bientôt, Garfield. Si jamais tu perds, il paraît que le cirque cherche des gens en ce moment. Ce carrefour, le feu met une éternité à passer au rouge. Et c'est très mal poli de faire attendre le maître du temps. Elle est pas belle, la vie. C'est drôlement marrant. Allez, on recommence. J'en fais ce que je veux. Allez, circulez. Mince alors. C'est bloqué. Oh ben non. Vous savez comment on répare ce truc, vous? Oh non, le monde entier est sur pause. Allez, réveillez-vous, mais c'est pas possible. Vous allez pas rester comme ça. Oh ben mince, alors j'ai cassé le temps. Oh mais comment je vais faire pour le réparer, moi? Bon, après tout, c'est peut-être pas si mal, hein. Je peux manger des pizzas à volonté chez Vito, par exemple. Salut, Vito. T'as des pizzas qui viennent de sortir du four? Tu peux finir celle-là, je meurs de faim, moi. Mais Vito, il peut pas faire de pizza si le temps reste en pause. Personne ne peut plus rien faire. Tous ces braves gens qui cuisinent de délicieuses lasagnes ne peuvent plus cuisiner de délicieuses lasagnes. Le monde entier est figé sur place, tout ça parce que j'ai une montre stupide. Hé, hey, toi, allez, bouge, remue-toi, tu vas bouger, ouais. T'es quand même pas une vraie statue, hein? Mais vous aussi, restez pas plantés là. C'est pas parce que le temps est arrêté que vous devez rester immobile. Je suis tout seul. Plus personne ne peut rien faire à part moi.
C'est donc à moi de tout faire. Il n'y a personne pour me préparer à manger, pour s'occuper de moi. Et il n'y a plus rien à la télé. Tout ça, c'est de ta faute, espèce de montre débile qui arrête le temps. Les choses se sont mis à bouger, mais ils vont tous reculant. Oh ben non, c'est pas vrai. Le temps fait marche arrière. Maintenant, je fais moi aussi reculant. Bon, c'est ma bébé, nous gouvons. N'y'a pas, c'est ma bébé, plus haut. Ça, où nous tenis. Dans le... Là, elle reste dans son pain. J'ai refait le chaud. Laisse. T'as mon blague. Laisse. Quand j'ai réussi à m'en prendre, je suis... Je suis... C'est pas moi, monsieur l'agent. Je suis innocent. C'est ça? On peut pas dormir tranquille dans cette maison. Oh, il y a vraiment des fois où j'aimerais que le temps s'arrête. Non, non. Maintenant, c'est faux. Ça y est, je me souviens maintenant. C'était le plus horrible des cauchemars. Sauf la partie avec Nermal. Ouais, ça, c'était un vrai rêve. Oh.